Bon midi, gens du Québec. Bon début de soirée, gens d'Europe. Bienvenue à cette émission Les Apprentissages, la chronique alcaline avec Maude Chouinard. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exercice. Allô, Maude, comment ça va? Salut Mario, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Et on y va tout en forme pour cette belle émission. Ouais, écoute, là, la forme, c'est quelque chose, je te dirais, pour moi et pour plusieurs personnes. C'est quelque chose qui est pas tout à fait facile. Hein? Dans les dernières chroniques, hein, vous savez, je vous ai parlé du soleil, je vous ai parlé de l'air, je vous ai parlé de l'eau, je vous ai parlé d'alimentation. Et là, on arrive à l'exercice. Et dans le fond, toutes ces choses que je vous propose pour alcaliniser votre corps dans ma chronique alcaline, c'est toutes des choses qui coûtent pas cher, hein, à date. On n'a pas dépensé ben d'argent avec notre soleil, notre air, notre eau. Il y a l'alimentation qui coûte quelque chose, mais en même temps, il y a tellement de façons de faire pour se procurer des bons aliments. Et il y a l'exercice aussi qui est peu coûteux, hein? Une paire de sneakers, puis on est parti, on fait de la marche, on fait de la course. Mais tout ça, dans le fond, Mario, moi, ce que je vous propose dans mes chroniques, c'est toujours des choses qui vont venir soutenir nos gros quatre piliers, finalement, de notre santé. Puis, ces quatre piliers-là, je vous le redis encore, c'est la digestion, l'absorption, l'utilisation et l'élimination. Donc, si je fais un bref résumé de tout ça, évidemment, les aliments qu'on mange, on va les digérer, mais par la suite, il faut les absorber. Donc, ça va passer du côlon ou de l'intestin vers le sang. Et quand ils sont rendus dans le sang, les nutriments, bien, il faut les utiliser, hein? Il faut que les cellules les utilisent. Et ensuite, bien, il y a les nutriments qui ont été utilisés, bien, ils doivent être éliminés. Donc ça, si tout ça fonctionne bien, la digestion, l'absorption, l'utilisation, l'élimination, eh bien, c'est ça qui soutient finalement qui nous garde en santé. C'est notre fonctionnement, c'est notre corps, comment il fonctionne. Et pour soutenir, dans le fond, la digestion, l'absorption, l'utilisation et l'élimination, eh bien, on peut agir sur notre corps. Et là, on a parlé du soleil, on a parlé de l'eau, on a parlé de l'air, de l'alimentation. Et là, aujourd'hui, on parle d'exercice. Donc, l'exercice va venir aider à notre digestion et à tout le fonctionnement de notre corps et même à l'élimination. Et c'est surtout vers ça que je vais orienter la chronique d'aujourd'hui parce que l'exercice, tu sais, tout le monde nous dit faut faire tant de minutes d'exercice par jour, tant de fois par semaine pour se garder en santé, se garder actif et tout ça. Mais pourquoi exactement je dois faire de l'exercice? Qu'est-ce que ça provoque dans mon corps? Puis, tu sais, je te l'ai dit, Mario, moi, je t'en en démarche de changer des choses. Je suis mon cours de naturopathe et je veux savoir, dans le fond, pourquoi je dois faire certaines choses. Pourquoi je dois boire de l'eau quotidiennement? Pourquoi je dois aller à l'extérieur, prendre la bonne air pur? Pourquoi je dois m'exposer au soleil durant l'été puis l'hiver, essayer de sortir le plus possible? Donc, c'est ce pourquoi-là que je veux vous amener à réfléchir. Et évidemment, quand on parle d'exercice, on parle de bouger. Et peu importe, je ne sais pas si vous avez déjà remisé une vieille voiture à quelque part pendant une longue période, mais si le véhicule n'a pas beaucoup bougé, vous ne l'avez pas peut-être une fois par semaine ou deux, aller lui faire faire un petit tour de voiture à cette belle voiture-là, eh bien, tout ça, il y a de la rouille, il y a de la stagnation, tout ça va jamais ensemble. Et après un an, la voiture qui n'a pas bougé, bien, des fois, on a beaucoup, beaucoup de misère à la faire repartir. Fait que c'est un peu ça pour notre corps, finalement, l'activité de bouger. Eh bien, ça appelle à la vie. C'est la stagnation. Donc, d'arrêter de bouger,
c'est la mort. Donc, bouger, c'est la vie. Être stationnaire ou stagné, c'est la mort. Et c'est drôle, là, juste en vous en parlant, je me souviens, ça m'avait bien traumatisé, cette histoire-là, mais c'était arrivé je crois que c'était en Chine ou à Taïwan. Il y avait évidemment, c'était très, très populaire. Les enfants allaient jouer ou à des jeux vidéo. Et il y avait un individu qui avait joué pendant sur un jeu vidéo là, pendant plus de 24 heures et pas bougé là. Donc, il était dans son fauteuil, il jouait au jeu vidéo et il était mort de cette façon-là parce qu'il n'avait pas bougé, il ne s'était jamais levé, il était tellement concentré sur son affaire, il avait passé des heures inimaginables à son appareil. Donc, évidemment, de bouger, c'est la vie. Bouger nos muscles, évidemment, va nous amener aussi à travailler notre endurance, notre force, notre vigueur. Mais il y a un aspect, dans le fond, qu'on ne nous a jamais parlé de l'activité. En tout cas, moi, je n'étais pas au courant de ça ou on ne m'avait pas parlé de ça. Quand je fais de l'exercice, évidemment, on va suer. Hein? Et là, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes nos pores de peau vont s'ouvrir parce qu'il y a beaucoup de chaleur. Hein? Tu sais, quand on bouge, bien, ça produit de la chaleur à l'intérieur de nous. Et cette chaleur-là, il faut qu'elle s'évacue. Et elle va être évacuée par nos pores de peau, donc par la transpiration. Et là, c'est 96 millions de pores pendant que tu bouges qui sont ouverts et qui libèrent des toxines, qui libèrent des impuretés, qui libèrent dans le fond tout ce qui peut affecter le fonctionnement de notre cellule, de nos cellules. Et évidemment, en faisant ça, bien, je m'alcalinise. Je deviens beaucoup plus alcalin parce que les toxines qui étaient prises à l'intérieur de moi, donc, vont pouvoir s'en aller pendant l'exercice. Et il y a des gens qui le disent très bien, qui expérimentent le fait de, quand je fais de l'exercice, je suis capable, par exemple, de maintenir mon pouls, je suis capable de maintenir ma tension artérielle à un meilleur niveau. J'ai moins tendance à avoir un sang épais, je suis moins obligée d'aller utiliser finalement des médicaments pour garder mon sang plus clair, donc moins de caillots pour le sang. Donc, c'est toute cette action-là de dire que quand je libère mes toxines, quand je libère les substances toxines qui sont à l'intérieur de moi, eh bien, là, je suis capable de conserver mon corps plus alcalin. Et quand l'acidité est là, ben c'est tous ces problèmes-là que je vous ai mentionnés. La pression artérielle, le pouls, la coagulation du sang. Donc ça, c'est toutes des choses que l'activité physique peut nous aider à maintenir. Donc, je ne sais pas si tu es comme moi, Mario, mais moi, j'ai quand même la difficulté à mettre l'exercice dans ma vie. Écoute, je pense que c'est la plus grande épreuve pour moi actuellement de mettre ça en pratique à tous les jours. Et moi, je marche beaucoup, beaucoup, mais je prends des périodes où je marche pas. Et là, j'ai le syndrome de la voiture. J'ai recommencé là et il me semble que mon 8 km est trop long. Mon 10 est encore plus long. Là, j'imagine même pas le 16 km que je faisais avant. Là. Je peux même pas. Oui, c'est vraiment ça. Malheureusement, ça nous demande un effort. Mais cet effort-là, évidemment, est gage de santé. Oui. Puis, dans notre corps, dans le fond, il y a deux grands réseaux. Hein. Il y a le réseau sanguin, qui est là pour alimenter. C'est un peu comme notre garde-manger, dans le fond. C'est quand nos aliments, les nutriments, dans le fond, sont dans le sang et sont distribués. Alors, c'est sûr que quand je fais de l'activité physique, je pousse là, le sang dans les plus petits vaisseaux parce que là, évidemment, mon rythme cardiaque augmente et là, je pousse les nutriments dans les plus petits vaisseaux du corps.
Et évidemment, ça nous alimente partout, là. Ça vient vraiment forcer finalement le sang dans des endroits où, quand on ne fait pas d'exercice, bien, ces endroits-là restent un peu avec moins de nutriments. Moi, je travaillais comme ergothérapeute et j'aidais les gens à reprendre leurs activités de travail suite à un accident de travail ou un accident de la route. Et tout de suite, dans le fond, on les remettait en activité. On n'attendait pas nécessairement que la blessure soit complètement guérie. Exemple, j'avais des clients qui avaient qui avaient vécu des grosses opérations au niveau du dos. Donc, il y avait des hernies discales qui avaient été opérées. Il y avait parfois des vertèbres dont le chirurgien avait dû souder ensemble parce qu'ils étaient trop défaites. Et les études, dans le fond, nous disaient vraiment, mettez ces gens-là tout de suite en activité. Et ben, l'activité, c'est ça que ça fait. C'est comme je vous disais, c'est que mes clients, dans le fond, la blessure n'était pas nécessairement toute bien guérie, mais plus on les mettait tout de suite en activité, bien, plus les nutriments allaient dans la blessure et la blessure guérissait beaucoup, beaucoup plus vite. Donc ça, c'est mon expérience d'ergothérapeute, mais présentement, si vous suivez le hockey, les joueurs de haut niveau, eh bien, tout de suite, il y a une période de repos qui est donnée là, par les médecins quand différentes blessures arrivent, mais tout de suite après, c'est go, on n'attend pas, on se remet en action, on remet le corps en action. Évidemment, les activités qui sont proposées aux joueurs ou même aux clients que j'avais en ergothérapie, on choisissait vraiment des activités physiques qui ne pouvaient pas empirer là, la blessure, mais tout de suite, on se remet en activité. Et ça, ça a vraiment été étudié, mais dans le fond, le système est tout simple. C'est qu'on amène davantage de nutriments à nos cellules. Et ça, il n'y a pas rien d'autre qui peut faire ça, là, d'aller pousser le sang dans les petits réseaux sanguins, les plus petits fins capillaires qui vont partout, partout, partout. Fait que le réseau sanguin est là, et là, quand on fait de l'exercice, bien évidemment, tous les nutriments vont être beaucoup plus distribués à travers mon corps. Bon, il y a la pore de peau qui ouvre et libère les toxines. En maintenant, évidemment, tout ça est ouvert parce que la température interne, quand je fais de l'exercice, va monter. Donc, il faut libérer de l'eau et des toxines pour conserver notre température. Mais il y a une autre chose, c'est que dans notre corps, on a un autre réseau. On a les réseaux lymphatiques. Et celui-là, on l'oublie. On l'oublie, on le sent, hein, tu sais, on se coupe puis on le voit que ça coule rouge. Hein? Oh ouais. Ah, mais à travers ce sang-là, il y a aussi un autre liquide qui provient de notre réseau lymphatique. Et le réseau lymphatique, bien, c'est l'inverse. C'est l'inverse du sang. On avait notre garde-manger. Et là, le système lymphatique, c'est un peu comme nos égouts. Dans le fond, toutes les toxines du corps vont aller se loger dans le réseau lymphatique pour pas qu'ils soient en contact avec les cellules. Donc, les cellules, un coup qu'ils ont utilisé les nutriments, vont rejeter évidemment du CO2, vont rejeter d'autres toxines et ça s'en va dans le réseau lymphatique. Le problème, c'est que le réseau lymphatique, il circule pas avec les mêmes circuits que le sang. C'est un circuit, dans le fond, qui a pas de pompe. Nous, on est chanceux, le cœur, il pompe le sang, puis il l'envoie un peu partout. Mais le réseau lymphatique n'a pas de pompe. Donc, les seules pompes que le réseau lymphatique a, c'est l'activité physique. C'est le mouvement des muscles. Donc, quand je bouge, à ce moment-là, je pompe mon réseau lymphatique et il va se déverser au niveau des reins, il va se déverser au niveau de l'intestin. Donc, plus je suis statique, plus je suis stagnant, bien, plus mon réseau où les cellules envoient tous leurs déchets, bien, plus ce réseau-là de déchets, il reste dans mon corps. Il reste pris, là. Donc,
Moi, juste à penser à ça, Mario, j'ai le goût d'aller prendre une bonne marche puis une petite course rapide là, Oh ouais. ce soir. Tu sais, Oh ouais. j'ai Dégagez tout ça, là. dégager tout ça, dire là, genre, faut que les toxines, ça bouge, puis faut que ça s'en aille. Puis moi, je m'imagine tout le temps des petits, comme des, ben on le dit, hein, souvent, les gens, quand, des fois, quand ils sont malades, c'est des ganglions, les médecins, tu sais, ils viennent presser à des endroits, ben c'est sûr qu'on peut tâter, finalement, quand c'est inflammé ou quand qu'il y a beaucoup, beaucoup de toxines à l'intérieur du réseau lymphatique. On le sait, les ganglions, c'est un peu ça, hein, les ganglions, donc vont être gros, vont être pris, sont pleins de déchets. Donc, je m'imagine tout le temps comme ma petite poche de réseau lymphatique entre deux muscles, là. Là, je me dis, let's go, moi, tu es en train de bouger, ben, tu es en train de faire bouger tout ce réseau-là, puis les toxines vont se libérer. Fait que c'est un peu comme, je me dis, je m'en vais faire le grand ménage de mon corps. Oui, effectivement. sais, c'est un peu ça. On se met en mouvement, ben, les déchets vont s'éliminer par l'action musculaire. Et ça, moi, je ne le savais pas. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais moi, je ne savais pas ça, qu'en bougeant, j'éliminais des déchets. Vraiment, là. Moi, tu ben honnêtement, je savais qu'on faisait bien des affaires en bougeant, mais de là à éliminer tous ces déchets-là de cette façon, pas vraiment. Non, on ne nous a jamais comme. En tout cas, moi, on ne m'avait pas appris ça à l'école ou même dans mes Non. cours. Non, on m'avait plus parlé, par exemple, en ergothérapie, on avait vraiment bon, le fait d'amener le sang aux blessures. Puis évidemment, on mentionnait à nos clients, nous, d'arrêter la cigarette parce que la nicotine, dans le fond, allait prendre beaucoup, beaucoup de place dans le sang et on avait beaucoup moins de molécules d'oxygène qui allaient se rendre aux blessures à ce moment-là. Donc, on favorisait l'exercice et on favorisait, l'arrêt du tabac, de la cigarette. Mais j'avais jamais expliqué ça à mes clients de dire, ben là, il y a des toxines dans votre corps. Faut les éliminer aussi en faisant de l'exercice. Je savais pas ça. Et le réseau sanguin versus le réseau lymphatique, là, je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'est 4 fois plus imposant. Donc, exemple, si on a 8 litres de sang, bien, on en a 32 litres au niveau de la lymphe. Donc, c'est énorme. C'est vraiment un réseau qui est à prendre en considération. Et même au niveau des. Là, je ne veux pas trop m'avancer, mais au niveau des cancers du sein, tu sais que nous, les femmes, on porte souvent des soutiens-gorge et Oui. les brassières. Et il semblerait que le fait de comprimer finalement Compressé, notre tout à fait. corps à cet endroit-là, eh bien, les toxines qui circulent, bien, ils ont de la misère justement à circuler. Donc, il y aurait peut-être un lien entre. La stagnation de toxines au niveau des seins à cause aussi des vêtements serrés. Donc, ça peut être une hypothèse qui pourrait être très plausible dans le fond de dire, ben, je fais stagner des toxines à ces endroits-là. Donc, ça crée un autre problème. Ben oui, exactement. Fait que c'est sûr que courir, nager, faire du vélo, des bons exercices. C'est quelque chose qui coûte pas cher. On n'a même pas besoin de se payer un abonnement au gym ou autre. Là, il y a peut-être la natation où il faut payer pour aller dans les piscines ou si vous avez accès à un lac, c'est merveilleux. Ah, ça, c'est encore Mais mieux. ça, c'est encore mieux. Le côté froid aussi de l'eau, hein, tout ça favorise la circulation, comme on en avait déjà parlé. Mais il faut le faire toute sa vie. Donc, c'est pas juste de dire, ah, je vais aller faire pendant 6 mois l'été, je m'entraîne, je vais faire des courses, et là, tout l'hiver, je fais absolument rien. Donc, c'est vraiment Comme moi. toute sa vie, il faut. Faut prendre un rythme quotidien finalement pour éliminer nos toxines puis faire en sorte que l'exercice fasse partie
fasse partie finalement d'une hygiène de vie. Et c'est sûr que souvent on cherche la pilule magique. Ça serait donc plus facile là, d'aller prendre un petit pot là, puis dire ah putain ça j'ai ma pilule qui enlève tous les déchets de mon corps et qui favorise un bon sang, mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Et même si, en tout cas, bon, si ça existerait, hein, il y aurait probablement autre chose que notre corps dirait non. Tu ne bouges pas. Moi, ça me prendrait un système un peu comme l'ours. L'été, très, très actif. Et l'hiver, je dors ou je ne fais rien. C'est un peu ce que je fais et j'en souffre à tous les hivers. Parce que l'hiver, je n'ai pas réussi encore à m'adapter à mes exercices que je fais, la marche. Moi, j'aime marcher quand je suis bien. Et l'hiver, j'ai toujours trop froid. Donc, mais par contre, j'ai appris dernièrement, avec juste la même façon de m'habiller, simplement, de pouvoir être à l'aise, mais que je marche, mais qu'il fasse froid. Oui, puis je sais pas si tu te souviens quand on a parlé de l'air, mais Mario, c'est que souvent le froid du corps, c'est juste un manque d'air. Oui. Ben oui, puis pense à ta cellule, c'est comme un petit poêle à la bois, là. Mais quand tu y mets pas d'air, c'est quand tu ouvres pas la petite planche là, pour amener l'air au foyer, ben il y a de la misère à brûler ses bûches. Bien, c'est la même chose pour nous. L'hiver, on en souffre beaucoup parce qu'on ne prend pas assez d'oxygène, on ne va pas assez dehors, on ne prend pas assez des grandes respirations et on manque carrément d'air. Donc, notre cellule, elle a de la misère à nous réchauffer parce qu'elle n'est pas capable de brûler finalement les nutriments, elle manque d'air. Donc, des fois, le côté, moi, je suis allée à tous les jours cet hiver, Mario, marcher dans le bois tous les matins. Je peux te garantir que j'ai eu beaucoup moins froid cet hiver que tous les autres hivers où je restais à l'intérieur. Et là, de temps en temps, je me pointais le nez dehors. Et là, mon Dieu, qu'il faisait froid. Il fait trop froid aujourd'hui, je rentre dans la maison. Oui, exactement. Mais en plus, ça amène aussi que même dans la propre maison, on vient qu'on a froid. Oui, bien, il va y avoir un petit courant d'air, là. C'est ouf. C'est effectivement, même on devient plus frileux, on devient plus stagnant, donc tout notre corps a de la misère finalement à bien fonctionner puis nous amener tout ce qu'il faut pour être aussi de bonne humeur. Effectivement, ça garde la joie, ça garde aussi l'expression de notre corps tout entier, notre visage, ça donne une belle énergie aussi. Ça donne une très belle énergie, puis... le fait de faire de l'exercice, tu vois, dans une des la saison passée, dans mon émission Activer votre pouvoir de guérison, on a rencontré Lise Fouquet. Lise a vécu une grosse dépression, une dépression majeure avec idées suicidaires. Et Lise, dans le fond, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à faire de l'exercice. Donc, il y a un groupe sur Facebook, si vous ne le connaissez pas encore, mais il y a Karine. Karine et c'est merveilleuse. C'est mère, M-E, accent grave, R-E. C'est merveilleuse qui a commencé finalement à initier les femmes à parcourir un premier 5 kilomètres. Karine Champagne, elle aussi, a fait une dépression et son médecin lui avait dit « Fais 6 heures d'exercice par jour. » Fait qu'elle s'est dit « Oh mon Dieu, c'est dit que d'en faire 6 heures, c'est, ça doit être important. J'en fais pas juste 3 fois 20 minutes par semaine. » Et elle avait un grand rêve, elle, de faire des marathons, de faire aussi des compétitions de haut niveau comme elle a fait un Ironman. Et dans le fond, ce que ça fait tout ça, c'est que l'exercice... Quand on est en exercice, eh bien, on a des meilleures pensées aussi. Ça active tellement tout notre corps, nos déchets aussi qui étaient comme tout stagnants puis qui faisaient en sorte que nos cellules vivaient pas bien. Ben à ce moment-là, tout ça s'élimine et nos pensées redeviennent vraiment meilleures. Ça libère le stress, ça nous libère des inquiétudes du quotidien. Quand on revient d'une activité physique, hein, comment le sentiment là, d'harmonie puis de joie, c'est comme « waouh, hein, mon corps, là, il m'en donne, il me donne de la satisfaction. » C'est une belle satisfaction
de faire de l'exercice et ça change nos pensées. Tu vois, dans les prochaines chroniques, on va en parler, ça, de la pensée. Mais c'est une façon, quand on fait de l'exercice, on ne pense plus à rien d'autre, on se focus sur notre respiration, on focus sur l'activité qu'on a à accomplir et on libère vraiment beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Et en fait, tout ça aussi est lié au fait qu'on élimine aussi des déchets. Donc, c'est un aspect non négligeable, finalement, de l'activité physique. Puis, il peut y avoir d'autres activités telles que le jardinage aussi, des activités peut-être un petit peu plus, un peu moins aérobiques, là, tu sais, au niveau intensité, mais qui apporte une très grande satisfaction musculaire et aussi de posture. Hein? Tu sais, quand on fait du jardinage, on a adopté certaines postures qui demandent beaucoup d'efforts physiques, de la flexibilité aussi. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose. Mais trouvez-vous quelque chose de le fun que vous aimez. Oui, qui permet de bouger, qui permet de prendre de l'air, qui permet de prendre du soleil, de prendre de l'eau, de bien s'alimenter. Exact, tout ça s'enclenche. Et bien, les activités aussi qui vont beaucoup stimuler la musculature du tronc. Je pense à l'activité du yoga, comment on va travailler dans le fond, dans le yoga, tous les muscles qui stabilisent notre colonne vertébrale. Il y a d'autres activités comme quand on pagaie. Je pense que quand on fait du sport en général, on travaille beaucoup aussi les muscles du tronc. Et tout ça fait en sorte de stabiliser notre corps, notre bonne posture, renforcer aussi les abdominaux, les muscles du dos. Et quand on fait ça, c'est prouvé que les muscles, les organes qui sont à l'intérieur de nous fonctionnent mieux eux aussi. Et ont beaucoup plus de, on va dire ça, même du tonus à l'intérieur. Mm-hmm. Le bon entraînement physique favorise aussi le fonctionnement de nos organes internes. Et ça, c'est non négligeable. Moi, je me souviens, après ma première grossesse, j'avais eu mon bébé en janvier. Et janvier, on le sait, il y a de la neige dehors. Et là, sortir avec l'enfant, c'était plus compliqué. Puis j'avais pris quand même pas mal de poids pendant ma grossesse. Et ça me tentait pas. Là. Je voulais rester au chaud avec mon bébé à l'intérieur et tout ça. Mais je me suis rendu compte, parce que j'étais quand même une fille qui allait à cette époque-là, quand t'as pas d'enfant, hein, tu peux te permettre d'aller au gym 3 fois semaine, faire du rollerblade à tous les soirs, donc j'étais quand même assez sportive, et là je m'étais rendu compte que, hey my god, physiquement, plus de difficultés à me tenir, j'avais les épaules qui voulaient rentrer vers l'intérieur, les abdominaux, évidemment, bon, la grossesse avait affecté tout ça. Et j'avais aussi des pertes urinaires. Donc, là, il fallait que la toilette soit proche quand j'avais envie. Donc, possible descente de vessie. Donc, tout ça. Fait que finalement, en reprenant mes activités physiques, tout ça est rentré dans l'ordre. Les muscles pelviens, évidemment, quand on fait de la course, travaillent aussi, quand on fait de la nage. Donc, tout ça, dans le fond, reprenait finalement sa place. Je suis sûre que si je n'avais pas fait d'exercice après, bien, évidemment, j'aurais provoqué encore plus d'inconfort physique et ma posture s'en se serait vraiment sentie davantage, puis les problèmes aussi associés, bien évidemment la grossesse, ça étire beaucoup de muscles au niveau pelvien et tout ça, donc le fait de faire de l'activité physique avait ramené ça avait ramené du tonus. Donc malheureusement, les gens, je pense que quand on est malade ou qu'on vit une maladie, que ce soit par un accident ou une maladie,
on a tendance à rester stagnant. T'sais, c'est comme si on attend que ça va passer et après, je vais me mettre en activité. Et c'est vraiment prouvé que les gens qui ont une maladie, que ce soit un cancer, n'importe quelle maladie, de l'arthrite ou autre, du Parkinson, doivent conserver des activités physiques malgré tout. Et juste pour te dire, ici à Québec, il y a une personne qui est spécialisée en activité physique et a démarré des classes pour des dames qui sont en traitement de chimiothérapie à l'hôpital. Donc, les femmes vont carrément dans leur journée, reçoivent, je ne sais pas si c'est la journée qu'ils reçoivent leur traitement, parce que la première journée de chimio est quand même dure à prendre, mais tout de suite, dès qu'il y a un petit peu plus d'énergie, ils se regroupent ensemble, vont bouger et on peut le faire vraiment à notre rythme. Et souvent, on a tendance à dire, ben, tu sais, je vais faire de la course quand je serai capable de faire 10 kilomètres, tu sais. Mais faut vraiment le faire pour soi. Puis, tu sais, même noter. Moi, je me souviens quand je recommençais à m'entraîner, moi, j'étais bien fan des programmes. Tu sais, je mettais mon DVD, puis là, je suivais un entraîneur qui faisait plein de mouvements. J'adorais ça. Et je me prenais un petit calepin, puis là, je disais, bon, après 10 minutes, tu sais, je me sens essoufflée sur une échelle, mettons, de 0 à 10. Je me sens essoufflée à 7 ou à 8. Puis là, je regardais mes semaines aller, puis là, oups, tranquillement, pas vite. Et là, je gagnais vraiment de l'endurance. Les choses que je fallait que j'arrête pendant l'exercice, mettons que ça durait 40 minutes, après 20 minutes, j'étais plus capable. Là, j'étais quand après 2-3 semaines, j'étais capable d'y aller jusqu'à faire mon 40 minutes. Fait que dès qu'on se met en activité, notre corps change, notre corps évolue, notre corps s'améliore de lui-même. Donc, on le pousse à devenir meilleur et il ne faut pas se comparer aux autres. Il y en aura toujours là, on parlait de marathon ou d'Ironman, tu sais, ça c'est, si c'est votre but, bien, on peut le faire, mais il faut démarrer. Il faut démarrer aujourd'hui, puis peut-être que dans un an, 2 ans, 3 ans, vous allez être capable de le faire. Il y a une vidéo sur Internet qui avait circulé, un monsieur qui avait fait la guerre aux États-Unis, qui était parachutiste. Et après tout ça, écoute, il y avait des blessures un peu partout. Les genoux allaient plus bien, marchaient avec des cannes. Tu voyais cet homme-là, prise de poids aussi, une bonne bédaine, marchait presque peu. À un moment donné, il était rendu, sa famille le poussait carrément en fauteuil roulant quand ils allaient à l'extérieur de la maison. Puis dans la maison, il y avait des béquilles. Et cet homme-là, il y a un entraîneur aux États-Unis, il a envoyé un petit mot à l'entraîneur aux États-Unis, puis l'entraîneur a dit, oui, moi, je vais te prendre en charge, puis je vais t'aider, puis tu vas y arriver. Je veux faire de quoi pour toi, je veux t'aider. Et écoute, ils sont partis de zéro, là. Quand je te dis que le monsieur n'était même pas capable de se tenir sur un pied, là, tout seul, et il a fait les exercices, il faisait un exercice, et il tombait, il a pas lâché. Et cet homme-là, maintenant, aujourd'hui, il est entraîneur pour d'autres. Il fait des postures que je ne serais jamais capable de tenir en yoga ou dans d'autres choses. Donc, son corps a changé. Ses blessures aux genoux, ben, toute la musculature est tellement forte autour que les blessures se sont guéris. Il est capable de marcher sans canne maintenant, puis il s'est rendu un athlète. Là. Oui. Mais il ne faut pas perdre de vue que même si on n'est pas bien aujourd'hui, ça ne veut pas dire que notre corps ne peut pas changer, puis il faut faire un petit quelque chose de plus. Puis dans l'activité, c'est fou comment le corps s'adapte. Effectivement. C'est super beau de voir notre belle mécanique qui, quand on lui donne l'eau, l'air, les nutriments qu'il faut, l'exercice, bien, on peut accomplir vraiment des choses assez surprenantes. Et là,
Bonne alimentation, bonne oxygénation, bon repos, bon temps. Profitez de tout ça avec de l'exercice, du soleil, du sommeil aussi. Oui. Hein, parce que c'est quelque chose que j'ai négligé beaucoup, moi. Et maintenant, je prends le temps de dormir. Oui, c'est important, ça. Donc, les amis, ben, hey, ça passe trop vite. Oui, passe trop vite. J'ai pas vu le temps passer, mais ah, oui. Écoute, midi 25, on s'en va à l'autre chronique dans quelques secondes, les amis, dans quelques minutes. C'était la chronique alcaline avec Maud Chouinard. Très intéressant, nos chroniques qu'on a actuellement, et les gens nous amènent de quoi d'extraordinaire. Merci beaucoup, Maud Chouinard. Et comme je disais, depuis le début de la semaine, il va falloir que je trouve une façon de rallonger les chroniques parce que c'est trop bon, tout simplement. Meilleur que du bonbon. Je voyais pas l'heure, mais en tout cas, merci. Hey, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente semaine. À toi aussi. Bonne alimentation, de l'eau, de l'exercice et une pomme. Yes. Bye bye. Bye bye.